Salut, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera toujours en compagnie de DMX, encore une fois. Toujours là, hein, surtout pour un jeu que fait par The Behemoth. Qui sont les mêmes créateurs que Battle Block Theater, mais celui-ci est mieux, ne vous en faites pas. Donc c'est un jeu qui est sorti sur PC le 16 ou le 26 septembre, je sais plus. C'était le 26 septembre 2012 sur PC et... 2 ans plus tôt sur PS3 et encore 2 ans plus tôt sur Xbox, vu que ça a commencé sur Xbox Live Arcade à la base. Et on va tout de suite commencer. Le hibou 3, 2. Ah non, il chie pas. Ah, il a pas eu le temps de chier. Oui, l'humour des développeurs est assez fécal. Ouais. Caca prout quoi. Ah non, quand même pas, non, mais un CR Turbo Jet. Regarde Juki. Genre. Moi je prends lui hein. Hattie Haddington. Ah, j'ai perdu tout mon niveau on dirait. Ah ouais. J'ai perdu tous mes persos et tout. C'est pas grave. Ouais bah moi je vais prendre le forgeron. Ouais. Ah ça c'est chiant, j'ai perdu. Bon tant mieux. Tant mieux. Recommencer un jeu du départ, c'est pas mal. Ah oh putain, je croyais sérieusement pas qu'il y allait avoir Hattie, quoi. Buckle the pants, motherfucker. Je veux les trois pièces. C'est mes trois pièces. Serrez votre pantalon. What? Ah d'accord, les cristaux. Attends, on va écouter. Je peux vous en dire plus sur les orbes d'animaux. Les arbres d'animaux fournissent divers bonus et améliorations. Si vous vous liez d'amitié avec un arbre d'animal, dans la nature, il vous suivra loyalement. Et je peux pas te prendre toi. Non, mais tu peux pas en prendre celui-ci. Oh. What? Je savais pas moi. Moi j'ai rien. What? Oh lol. Le requin. Nice. Alors, je vous en dis plus comment utiliser vos pouvoirs magiques. Appuyez sur RT pour activer vos pouvoirs magiques. RT plus X, Y pour une attaque de plouf. Ouais. Moi j'ai ça. Ouais. Attaque légère, attaque lourde. Sauter. Là, il m'a pas donné de potion de soin, c'est quoi cette blague? Ah, j'ai rien, j'ai plus d'objets. Ah si, je sais pas comment on change déjà. C'est bon. C'est bon. Bon bah go. C'est LB et RB. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué moi. Hein. Mais on l'a fini plusieurs fois. Ouais, bah comme ça se voyait avec un personnage où il y avait une tête de mort à côté, ça veut dire que j'ai fini le jeu avec ce personnage. Mmh. Il est niveau 31 fois. Aussi. Ouais. Ah le roi. Donc c'est un jeu très défouloir. Ah non c'est vrai, on l'éteint. Ah, c'est eux. Je crois que t'es axé plus magie toi. Hein. Je pense. Yes. Je vais tester si je fais beaucoup la magie. Bon oh, je fais 4. Ah là j'ai fait 9. Moi je tape du 9 en coup normal. En coup lourd aussi. 9 en coup lourd et 7 en coup normal je veux dire. Ok. Aïe. Donc j'ai jamais joué ce personnage. On était tous surpris quand on l'avait. Ah les princesses. Celle pour la tête traînée par terre. Normal, hein. C'est une princesse, non, on va la martyriser. Parce que c'est bien de martyriser les princesses. Ici, voilà. Et il a tellement de bonne musique ce jeu. Ah, ce jeu comparé qu'on s'appelle Battle Box Theater, en fait c'est un défouloir. Ouais mais il est excellent quoi. Tu fais une séance de Battle Box Theater et ensuite tu vas te faire un bon défouloir parce que t'es énervé, tu choisis Castle Crasher. Ouais. En fait c'est deux jeux se complètent, t'as à la fois le truc où tu dois utiliser tes méninges et le truc où tu dois brûler comme un gros tas.
parfois il y a quelques, enfin il y a quelques petits problèmes au niveau de la perspective. Plus tard il y en aura. Mais ça c'est rien, c'est juste un petit problème. Après il faut savoir ce qu'y faire. Genre t'as plus d'XP que moi. Le poisson. Faut pas oublier qu'on a le... Comment ça s'appelle ? L'arc. L'arc et aussi surtout le bouclier. Ouais mais toi tu as l'arc, moi j'ai pas l'arc. Ah ouais le bouclier c'est le T. Attends. Moi en force plus 1 en agilité, de toute façon on l'a pas assez. Ça c'est fait. On va retourner en arrière. Ouais. Ici. Alors, ceci c'est chez le forgeron, bah tiens il y a ça. Ok, alors, bon, moi je vais pas me faire prier. J'ai débloqué tout ce qu'il y a là. Voyez-vous? Ouais, mais moi j'en avais débloqué, mais là j'ai plus rien. Chiant. Oh, on l'a débloqué lui. Je le veux, il va bien avec moi, prends-en un et... Ouais, attends. Celui-là il sert à quoi comme familier? Je sais pas. Bah, on va voir ça. Plus d'argent, je dirais. What? Ouais, c'est de l'argent. Il lâche de l'argent. Genre, il te chie de l'or. Vous fait gagner de l'or. Moi, je vais prendre la grenouille. Pas la grenouille, la girafe. Pourquoi c'est quoi le mieux? La girafe, ça augmente l'XP. Ouais. Ah, l'œil. Ouais. L'œil, voilà, donc, un petit tour. Les girafes on a dû la dépasser. Mais t'as pas eu un succès là pour tous ces avoir déverrouillé? Non parce qu'il m'en manque un hein, qu'il faut payer. Ah bon? Ouais. Payer en DLC? Non, tu sais c'est un qu'on a après avoir vaincu le jeu. Ah d'accord, je crois que t'avais dit payer en DLC. Ouais moi j'ai que dalle. Moi j'ai tout ça. Toi t'auras les armes de à la fin. Ouais c'est vrai. Un magnifique sabre laser, voyez-vous. Moyer. Moyer. Ça, c'est une... ça, elle est belle. Oh, il est beau le poulet. Oh, qu'il est beau. Il est beau, qu'il est beau le poulet. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Il est pas frais, mon poisson. Ça, c'est la mienne. Tu vois, donc, t'as une arme qui fait plus de magie. Moi, j'ai une arme qui fait plus de dégâts. Pour le moment, comme on n'a pas monté le niveau, je prends plus ça. Ouais c'est vrai qu'on doit continuer à marcher pour pouvoir sprinter. Bah c'est surtout que là on n'a pas de sprint en fait. Non mais ça sprint tout seul. Ouais ça sprint tout seul mais donc moi je vais axer mon personnage magie et agilité. Bah dans ce cas là si tu pars magie prends mon arme. Pas pour le moment hein. Ouais là... non mais plus tard mais pour le moment c'est... Au début toujours prendre une arme avec de la force et après on peut partir magie vu que... Ouais c'est vrai ça. Zelda! Là ça c'est cousin! Allez go! C'est. Bonjour cousin! Au revoir cousin! Ouais. Ah t'as bien plus d'XP moi. Moi j'ai pas l'arc. Là maintenant tu devrais avoir l'arc si t'appuies sur RB et LB. Non! Non? Non! Papi. C'est pas grave. Comment ça? Comment t'oses le taper? Arrête de matraquer les hommes à terre. J'ai aucun argent, je suis pauvre. Moi en fait je pique tout, je suis juif. Pas que j'ai quelque chose contre les juifs hein, mais... Ouais, ouais. Tous les stéréotypes et tout hein... Moi j'utilise ça pour blaguer. Pas encore heureux. Vous avez été censuré par YouTube. Oh. Non mais tu sais c'est moi je vois des auras autour des gens moi de généralement tu sais. Dès qu'ils commencent à sortir un truc, après tu sais tu peux voir à peu près à quoi ils ressemblent dans leur tête. Et généralement c'est pas très joli pour certains. Ouais. Ah le pire c'est les personnes qui ont la peau blanche hein. Parce que bon, là tu peux avoir un arc. Ouais, je l'ai. Eh, moi je regarde mes flèches.
m'en fous, j'ai des flèches en os de dragon. Ouais, moi j'ai des... moi je m'en fous, j'ai des flèches en GM. Je pimp. Combien de personnes as-tu dû tuer pour les obtenir? Aucune. Une femme. Et en fait, Atty Huntington se retrouve ici parce qu'il est mort. Ah oui. Et en fait, quand tu meurs, tu vas en enfer. Et en, en fait, l'enfer, c'est les Castle Crashers. Et ouais. Voilà, voilà. Ouais, tu, mec. Vois le, tu vois le parallèle, tu vois. Bah après, on a aussi une tête de Castle Crasher dans le jeu Battle Box Theater, donc bon. GG. Merci. Et moi, j'ai toujours pas... Ce sera tout le temps comme ça, ce sera lui qui va prendre en premier. Hein. Oui. Alors, quand on... Premier niveau, quand on augmente un niveau, on peut faire un, une nouvelle attaque. Ouais. C'est celle-là. Aïe. Merde, je me sens pas de touche. Bravo. Alors, on est coincé. La level up. Ah, je sais. Et il est bientôt mort. Voilà. Y'a rien pu faire. Si. Je tourne. Il est mort. Je tourne. Il est mort comme il aura vécu. Assis dans son fauteuil. Il est mort comme il sera mort. Waouh. C'est si poétique. On voit toute la recherche et la finesse de l'auteur. Une de perdue. Une de perdue. Ah voilà, c'est ce que je me disais. Une de perdue. Une de perdue. Oh, des bananes. Des bananes. Des bananes. Alors. Ah mais c'est normal que c'est que tu es pas avant moi. La girafe. Eh bah oui. En fait, un truc hors contexte, tu savais que Diancie était déjà disponible sur Pokémon XY? Ouais. Je l'ai. Pas mal, pas mal. Ouais, non mais du coup là, vous avez un Demis qui est un petit peu énervé du coup là. C'est... Ouais, parce qu'ils ont fait la fête dans sa chambre quand il était parti à Paris et blablabla. Il y a du moisi dans ma chambre. Oui, il y a toi. Non, je déconne. Non mais j'ai jamais eu de moisissure dans ma chambre. Jamais. Bah s'il y a de la moisissure dans ta chambre, ça veut dire que c'est pas depuis hier qu'ils ont fait la fête. Hein. Non mais tu sais, ils ont, y a du lait qui a tourné. Ouais, ouais. Sur le sol de ma chambre. Alors on ouvre la porte. Putain, le boss là, je vais me nitrater. Ah ouais, j'ai pas regardé, on a commencé quand, c'est pas grave. C'est pas grave, on doit être à 10 minutes là. Bah tu sais, on fera ça par par environnement en fait. Ouais. Ça te va? Bah ouais, ça me va. De toute façon, le jeu, on peut vous dire, il va être assez rapide. Hein. Ouais. C'est un jeu qu'on aime bien, donc. on devrait rarement mourir, comme on le connaît. Enfin, il y a certains endroits où ça va être méga chaud. Mais bon, comme on les connaît. Et on le fait bugger. Bah, alors, Olaf. What? J'ai été touché depuis quand? Aïe! Depuis que tu te trouvais devant lui. J'étais pas devant lui, j'étais juste derrière lui. Ah là, par contre, j'ai... Par contre, t'étais devant toi. Ouais. Ah ouais, putain, faut que je régène. Des pommes! Des pommes! Oui! Sinon, je vais perdre! Parce que c'est pas le seul défi ce boss hein. Ah non. Allez go, plus de gold. Money. Ouais mais j'ai rien. Ah si c'est bon. Tu crois qu'ils ont fait une mise à jour sur Castle Crasher pour que ce soit pour qu'ils soient plus généreux au niveau du truc comme ça? Je ne pense pas. Ah.
Ouh. Allez, je te laisse. Allez. Avec Atsi quoi. Oui, j'ai déjà eu. Okay. On l'avait déjà fait. What? Il prend ton temps pour monter l'XP. Ouais, là, j'ai plus d'XP que toi. Nouveau personnage déverrouillé. Ouais, c'est celui que t'as déverrouillé toi. Bon, alors je pars magie ou pas? Si tu veux. Voilà, j'ai mis en magie. Moi je pars en agilité. Voilà, donc on va te montrer ici. Et ouais, il nous faut 3 objets. On en a déjà un qui était la boussole qu'on a pris au forgeron. Il nous en manque 2. Il nous manque la longue vue. La longue vue et le gouvernail. Qu'on trouvera dans tout 3 en or, hein. Parce que monsieur Pimp, pute. Moi je m'en fous, j'ai des gemmes. Je m'en fous, j'ai des flèches en os de dragon et en plus tu me largues de l'or. C'est de la merde de poisson. ce poisson est génial. Bon, on va faire celui-là aussi, hein. Oui, c'est assez rapide. T'as la musique. Ce jeu est psychédélique dans le sens où il est génial. Je sais pas si vous entendez les musiques, mais voilà quoi. Il y a Denver devant nous. Denver, le dernier dinosaure. J'espère que vous entendez bien la musique parce que c'est excellent. Attendez, je vais augmenter un peu la musique. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Oh merde, ça pas enregistré, c'est pas grave. Je veux Denver. Donnez-lui Denver. Denver, mon dernier dinosaure. C'est son ami et bien plus encore. Je sais pas si on gagne de l'XP par contre. Sûrement. Si je tape comme ça, ouais, mais... What? Hey, calmos, mec. Ah, on l'a décapité. Rends-moi Denver. J'ai... Merci. On n'a rien débloqué, là, par contre. Alors, un conseil, massacrer la nature pour obtenir des trucs... Une pomme. Banane. GG. Voilà. Merde, j'ai pas voulu sauter de mon Denver. Mais lâchez-moi. Rendez-moi Denver, bande de sacripants. De chacripants. Oui, des chacripants. Ah, ça c'est nice le combo qu'on peut faire. Hop là, hop là, hop là. Pour le moment, on a pas beaucoup d'argent. Parce que c'est tous des juifs. Et vers là-bas, il y a un truc. Voilà. Par contre, tu reprends ta baleine directement. Parce que bon, voilà. Hein. Ça sert à rien. Et la girafe, c'est dans mon temps qu'on l'a, non? Ouais. Cinquième environnement, je crois. Ah ouais. Ah, Dog Skype, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On sait toujours pas pourquoi. C'est Skype qui a refait des siennes. Ouais, je comprends pas pourquoi ça arrive qu'à nous quoi. Bah aussi j'utilise pas Skype sans ça. Bah j'utilise pas Skype à part avec toi. Ah oui là. Allez. C'est juste excellent. Oh my god. Et là on peut pas aller derrière? Ah si, y'a personne. Mais en fait c'est... je vais le spoiler directement. Y'a un truc derrière ça. Et en fait faut un truc spécial, un familier spécial pour l'obtenir. Ouais, pour les secrets. Et cet objet se trouve être un boomerang. Il faut le familier pour les secrets, c'est ça? Ouais. On trouve dans pas longtemps d'ailleurs. Qui est un cardinal. Enfin, je crois que c'est dans pas long. Ouais non. D'ailleurs, t'as pas de bombe sur toi là? Non.
Alors est-ce que je fais du coup bien, je fais moins de dommages. J'ai perdu mon Denver d'ailleurs, j'avais pas vu. Le mec il voit rien. Tu navigues pas vu? Oui, j'ai navigué pas vu. Ah oui. Envole-toi, envole-toi, envole-toi. Voilà un Bambi propulsé à la merde. Alors, le familier le plus inutile au monde. J'ai pas, je te veux pas toi, vas-y, casse-toi. Doké. Des pièces. Aïe. Mais dis-moi, tu vas bientôt mourir hein. On a fait un combo, tu sais, genre, tu le balances, je lui fous une flèche, puis ensuite, ensuite, tu le reprends et tu le balances par terre. C'était nice. Magnifique. Ouais. Ça aussi, c'est un familier qu'on peut avoir. Il est pas loin, mais il faut une bombe. Alors, ceci, c'est des trolls, hein, messieurs. Ouais. Dame. Non, non, c'est pas les têtes de trolls qu'on voit sur internet, hein. C'est pas ça. Je sais plus où il est. Ouais, il est après. Il y a un trou dans le mur et on le voit. Il est ici. Là. Il faut utiliser une bombe là où c'est. Ouais. Évident. Et en fait, ce personnage, si je me souviens bien, régénère notre vie au fur et à mesure. C'est ça. Il a eu une tige de bambou, c'est magnifique. Pour l'agilité. Ah ouais, même l'ours il a peur. On peut dire qu'il se chie dessus. Clairement. Voilà ce que ça veut dire se chier dessus. Ouais, je suis bloqué. L'argent. L'argent. Alors ceux-ci, en fait, dès qu'ils voient un truc genre or, ils vont venir pour te le piquer. C'est ça. Ouais. C'est des voleurs. C'est des rapetous. Et un rapetou. Bah ils sont aussi inefficaces que. Ouais. Y a rien ici normalement. Ouais. Un cube. Un cul. Tu habites assez. Ouais. Prends le poulet. Voilà le boss. Une mamatrolle. Nice. Alors lorsqu'on fait un sprint maintenant on peut faire une attaque chargée. Ouais. Ça permet de bien XP. Ouais. Surtout quand on a la girafe. Qu'on est à bas niveau. Quelques petits lags parfois, mais je suis à 60 FP, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Des bananes. Des poulets. Un poulet. Hop. Bravo. Voilà, il est mort. On va essayer de pas se faire toucher. Mais le bruit... Bambi. Bambi 2. Bambi 3. Et Bambi 4. 4. Arc. Je tomberai pas sur Bambi 4 moi. Hein. Allez, allez. Allez. Je veux pas celle qui fait... Je veux pas celle qui fait caca. Salut papa. Ah, personne n'est tombé sur celle qui fait caca. On va falloir esquiver. Alors, je suis passé maître dans l'art du dompetage de dingue. Vas-y, Bambi.
Et encore une fois, une musique complètement épique. Non mais toutes les musiques de jeu sont épiques. En fait, faut pas se faire toucher, si on se fait toucher, on va vers la... Bah, on recule en fait. Ouh, t'as eu chaud toi. Ah mais moi, je flirte avec le danger, tu vois. Vivement, je vois ça. Dangereusement. Et là, en fait, on sait où ça arrive avec la lumière. Voilà, là, c'est au milieu. Et si vous ne vous faites pas toucher, vous obtenez un succès. Qu'on a déjà tous les deux, bien entendu. Et qu'on a tous les deux eu dès le début. Faut pas trop s'avancer, sinon on voit rien en fait. En fait, faut rester au milieu. C'est bien au milieu. On fait juste haut, bas, pas gauche ou droite. Bah voilà, là c'est la fin. Ça c'était la dernière je crois. Ah non. Et eh bien je là. Vais te dire que... Non. Non. Et... Oui c'est la fin. Ouais parce qu'il y a la, il y a la hache. Bah tu vois une hache sur une bûche. En fait là c'est pas la fin. Ah si. On fait ce boss et ensuite on s'arrête. Un saumon. Ce piqué. So good. Un cadavre. Ou un requin. Ah non. Chauve-souris. Ça c'est cette phase, je la trouve méga chaude. C'est pas le boss qui est chiant, c'est ça. Je suis une Batman. Voilà, parce qu'en fait quand on se fait toucher on tombe de notre bateau. Et on peut plus taper. Comment il meurt quoi. En fait on fait tellement mal. J'hésite à un jour faire en I Wanna Be The Boshi à filmer. Ouais. J'ai déjà fini moi. Ah ouais t'avais... Ouais ouais j'ai fini de jouer. Oh, enfoiré. Tu te souviens comment on avait galéré sur le cinquième boss? Ouais. Mais faudrait qu'on teste un jour. Bon bien sûr il y aura beaucoup d'ellipses hein. Parce que ceux qui n'ont pas joué au jeu comprendront pas pourquoi mais... Ceux qui ont joué au jeu comprendront pourquoi. Un requin. Requin. Non je l'ai pas. C'est mon requin. Mon requin. Il veut pas. Ta gueule t'as un rondin. Non j'ai rien, si j'ai un rondin. Je trouve que ça saccade un peu parfois moi. Ah moi non il est... Non c'est parce que je filme c'est pour ça. Ok. Moi je me prends des... Ah ouais là. Ça y est, c'est parti. Oh Denver. Littéralement, un poisson chat. Tire. What? Il prend son temps pour tirer lui. Chevauché par une autre personne. T'es où? Moi je suis. Ah là, t'es là. Ah oh, attention. T'avais pas devant, il faut se mettre sur les côtés. Ou non, au milieu je crois, je sais plus. Attention. Au milieu, au milieu. Vas-y, tire. Le boss il est assez long. Active ton bouclier comme ça il fait pas tomber. Habituellement dans le jeu on n'utilise jamais notre bouclier mais c'est seulement pour cette phase. Et pour une autre. Ouais mais... What? J'étais dans les airs mais comment il m'a touché? Hey. Mais calmos. Mais...
calme tes ovaires. Alors, mets-toi devant. Non. Un requin. Boom, bitch. Calme tes ovaires, putain. Voilà. Allez, prochain coup, il est mort. Allez, vas-y, pousse. Attention. Maintenant. Il est vraiment pas difficile. Enfin, au début, il semblera peut-être un peu difficile, mais il est vraiment simple. En fait, quand vous avez la strat, c'est bon, il vous touche même pas, en fait. Allez, allez, on le défonce. GG. Merci beaucoup. Ah, t'as 2000 niveaux de plus que moi maintenant, d'accord. Et voilà, la fin. Hey, 66-69, ça fait 666, 69 et 531. Ouais. Je pense que j'ai un bon ratio. Ouais, ouais. Je continue à améliorer, allez, voilà. J'essaie d'un nouveau pouvoir magique. Tu perds pas magie, toi? Non, en fait, je vais jusqu'au niveau 10, je vais faire la magie à fond et après. Ok, alors on va faire la suite. Voilà. On a... The fuck? Ouais, c'est l'arme. Ouais, mais the fuck? Derrière la. Il y a une clé à molette. Où ça? Derrière la catapulte. Ah ouais. Et elle sert à quoi? C'est une arme. Ah. Oh. Je l'ai même pas ramassé quoi. Enfin, j'ai. Ouais, mais je l'ai pas équipé, je veux dire. T'as pas le niveau 5. D'accord. Ah ouais, Y'en a un qui veut pas se lever. Ah ouais, je fais du 11 quand même. Vous allez arrêter, bordel de merde! Ici il faudra qu'on revienne, non? Oui. Je sais plus c'est pourquoi. À Familia, je crois. On aura la corne de brume. Mais c'est bon, arrêtez de me taper, ouais. Ah oui, ouais, une autre phase, je me rappelle de pourquoi tu disais une autre phase avec le bouclier. Là il commence à utiliser la magie par contre. Ouais. Voilà. Le book. Et je sais pas, il fait quoi le book déjà? Il attaque tes ennemis au sol. Ça. On voit le boss. Hein. Le semi-boss. Hein. Oula, oula, calmos. Oula, 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 oula. Mila. Ah putain. T'es fail. Les Zad ira apparaître, je crois. Ah, t'as perdu une potion. Ouais. Genre, j'ai stoppé avec mes larmes. Heureusement que t'avais fait le plein de potions, moi j'en ai plus qu'une. Moi j'en ai plus qu'une aussi hein. Ouais, mais j'en avais qu'une à la base moi. GG. Merci. Parce que c'est bon, on a encore accès à aucun shop je crois. Je crois qu'avant il y avait aucun shop de dispo. Hein. Bah si, le shop du château. Ouais, ouais, mais celui-là, mais pas d'autres. Bah juste avant, juste au mob qu'on a fait là, je crois qu'il y en avait pas d'autres qui étaient dispo. Si, celui de la forêt. Ah peut-être. Faudra qu'on y aille faire un tour juste avant.
Bah juste après ça. Ouais. J'ai failli, je crois. T'as quand même décapité un ours en plus, hein. Stomp. On va mourir. Ah bah ouais, bah, moi il me reste plus qu'une potion. C'est la catapostrophe. La catapostrophe. La catapocalypse. Là j'ai du mal à savoir où je suis en fait. J'avoue qu'on a des ennemis blancs, un mec qui est en blanc. Dans le loot, je bute. Mort, non. Il est mort. Prends le bélier. Non mais renvoie ça, bâtard. Voilà. Les big boss. Je suis mort. Ah, je suis tenté d'arriver mais. Ah bitch. Ah. Fin du niveau. Et on va devoir se refaire le boss, je crois. Ouais, fond du niveau. On va en profiter pour aller acheter des potions ici. Voilà. Cinq potions, c'est le max. Je vais aussi acheter des bombes. Ouais. Mais bon. 8 bombes. Voilà, c'est le max. Voilà. On va changer d'arme. Je sais pas si j'ai le niveau, sûrement. T'as le niveau 5, t'inquiète pas. On va voir si on a pas un petit truc un peu mieux. Alors, de niveau 5. On a la carotte, non ? La carotte. La carotte. Cacarotte. Kakashi sensei. La pelote de laine. Ah, le poisson pas frais. Il est pas frais, mon poisson. Ah, j'ai pas débloqué celle-là. Celle-là, j'ai débloqué. Je sais pas si j'ai envie de la garder. L'homard. L'homard pas frais. L'homard est Fred. Ouh là 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 là. Ça, on part dans le. Wow, 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 wow. Hey. Non, non, non. Un petit brocoli. Poulet. Un petit brocoli. Oh la vache, il est tellement bien le brocoli en fait. Bouge un peu. 20, 35. Moi je garde le brocoli, j'en ai rien à battre. Ah, pareil. Hein. C'est quoi? Je suis plus rapide que toi. Non. Non. Je te rattraperai. Ou pas. Bon, on va le tenter une dernière fois. Si on réussit pas, on arrêtera la vidéo ici. Brocoli. Brocoli sama. Ah, tellement classe. Brocoli senpai. Ne mettez. Pas Yamete. Yamete ou la saille. Quatorze points de dégâts, blam. GG. Iwata, level up. Iwata.
Putain, c'est... En fait, c'est mes pires ennemis ceux-là dans le jeu. Ah, regarde ça. De l'argent, non. C'est mon argent. Argent. En fait, tous les 5 niveaux, je veux augmenter une caractéristique précise. Okay. Donc là, tu vas passer en magie. Ouais. Ou alors en défense. Ou carrément en attaque. Peut-être, je sais pas. Bon, le boss arrive. Hein. Il fait la danse de la pluie. Je peux pas t'aider. Le brocoli. Hein. What? Coup de sang. Un peu trop de dégâts. Mais calmos toi. La Sargin Begin, ça balance la swing. Ils ont du chap, ça c'est certain. Nous le jazz band et tous les copains pendant qu'on on a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. Je me disais qu'est-ce que tu chantais. J'entends sous l'océan. Sous l'océan. Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux, je tout te le dis. Là où il bosse toute la journée. Esclavagé Wiz ou prisonnier. Pendant qu'on tourne comme des éponges sous l'océan. N'importe quoi, ça les musiques parfois dans Disney. Hein. Ah, tu peux avoir la sardine. Non. C'est le gourdin. T'as le gourdin. Ouais. Trop content. Je vais mourir. Sous l'océan. Là tu fais un mix avec We Are The World de Michael Jackson. Sous l'océan. Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux, je te le dis. La vidéo musicale. Le pire c'est que ça marche en plus comme crossover. Et je fais pas de dégâts, et ils me font trop de dégâts, ça veut dire n'importe quoi. Oh les combots. On l'a comboté là. Mais stop avec ta tornade. Je suis une tornade. Ok, il y a des murs. GG. J'ai déjà levé la fin. Ah ouais, d'accord, t'as plus d'un niveau ennemi. Ouais. Je vois pas où je suis. Je ne vois pas où se trouve le demi-boss. J'ai un trop grand écran. C'est bon, le demi-boss est mort. Reprends. La pomme, c'est la vie. Moi, bon, j'ai 5 fruits et légumes par jour. Franchement j'hésite, soit la baleine qui me donne une pièce tous les deux, toutes les 50 secondes ou le bouc qui me donne. Ah, je préfère prendre le bouc clairement. Ok. C'est bon. Regarde, il fait la même tête que moi. Sauf qu'il pleure pas. À toi. What? Le parapluie. Ok. Brocoli sa mère. Brocoli warriors. Les chevaliers du brocoli. What? Mais lâche-moi. Sérieux lui. Ça va, au moins je peux me les faire à distance. Pas con.
C'est bon, un de mort. Deux de mort. Je lui donnais un coup de pelle mortel en fait. La pelle, la meilleure arme du jeu. La pelle. Comme la louge dans Dark Souls 2. Tu savais qu'il y avait une arme, c'était une louge dans Dark Souls 2? En vrai? Ouais. C'était là le deuxième passage. Ouais. Explosion, film de Michael Bay. Transformers. Ouais. Niveau 5, enfin niveau 6. Bravo. Mais ça m'indiquait niveau 5, donc j'ai pas compris. Ouais, tellement d'effets spéciaux dans mon attaque. Putain, je me confonds avec toi, en fait je crois que c'est moi qui ai au corps à corps, mais non c'est toi. Ah ah. Voilà. Olé olé olé. Il restait là, devant son corps sans vie. Ouais. Non. Faut un familier spécial. Ouais, pour trouver un secret qui est juste là derrière. Ah non, non, c'est... Il faut grandir. Essaye de l'envoyer ici, ta bombe. Non, je crois qu'il faut un familier... Je crois qu'il faut la potion. Non, autre chose. Attends, y'a pas un passage secret en dessous, là? Non. Non, y'a rien. Voilà. Donc, un objet qu'on ne spoilera pas. Et ce n'est pas une potion magique. On n'est pas dans la série X, mec. Mais... Je sais plus c'est quoi. Un poisson. Et l'ombre de quelque chose qu'on a vu. Quelque chose dont on a vu l'ombre dans Battle Box Theater. Ah bon, j'ai pas vu. On en a vu l'ombre durant l'une des cinématiques. On fait tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ouais, c'était où vers le début? Ah, oui, blood everywhere. Là, on retourne en arrière. Non, je crois qu'on entend les potes à mon frère gueuler. Non, c'était pas à cet endroit où on retourne, c'est pas celui-là. Ouais. Vu qu'il y a un endroit où on retourne en arrière et. Je te lirai. Et un familier. Oh, du sang partout. Oh non, pas eux. Ça va, je les one shot. Non, je déconne. Je les touche même pas, quoi. C'est bon. Moi, ils me touchent même pas. Ils spam le coup lourd. Ah, mais je fais 3 fois plus de dégâts avec ça. Ils sont chiants. Vous ne passerez pas. Il est mort, c'est bon. Il est mort. C'est bon. Je déteste les slimes. Surtout ceux-là. Les seuls slimes que j'ai pu apprécier, ce sont les gluants dans... Ouais, ce que j'allais dire. Dans Dragon Quest. Ouais. Quand tu seras à fond en agilité, ça vient... Foum. Allez. Ils sont très très loin à tuer. Hein. Voilà. Pour moi, ce qui est bien dans le jeu, c'est que ça en reçoit de l'XP par coup. Ouais. Et pas par mort mob tué. Mais what? Il est en train de nous chier dessus. Ah ouais, là par exemple, il y avait un problème de perspective.
Moi je te chie dessus, monsieur. Je vous pisse à l'arrêt. Tu vas mourir. Tenter de chier sur son adversaire n'est pas une technique légale. Vous êtes en état d'arrestation. C'est maintenant que ça va devenir un peu plus chiant. Genre il me lèche quoi. Bon alors on doit être pas loin des 1 heure de vidéo. Donc après ce niveau on s'arrête. Enfin pour la vidéo hein. Après nous on va le faire d'une traite. Aïe. Là par exemple, les problèmes de perspective sont gênants sur ce boss. Et du coup en fait, ceci nous donne un familier. Ah bon? Ah ouais bah oui. Celle-là c'est pour récupérer de la vie non? Non, il attaque les ennemis aussi. Ouais bah tant mieux. Ah, j'avais zappé. J'ai plus d'or que toi. Ah d'accord, t'as tué beaucoup d'ennemis. Oui. J'ai un peu rien fait. Putain. J'ai fait de la merde. Je suis quasiment au niveau 8. Alors. Ah, on va d'ailleurs rentrer ici pour montrer qu'on peut pas. Non, ils sont tous morts. Tu vas le... Oh bonjour madame. Tu vas le payer. On n'est pas assez costaud pour, casser cette porte. Et donc nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. De cette prochaine team HD, toujours en compagnie de Demix. Salut à tous et à toutes, et n'oubliez pas, elle ne savait pas que c'était son papa. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.